Manger du lupin, une graine peu connue, mais aux qualités réelles. Une alimentation variée pour rester en bonne santé. Le lupin, aussi surnommé tramousse, est une graine consommée en particulier dans des pays du bassin méditerranéen. À déguster à l'apéritif, les graines de lupin sont riches en protéines, mais pas seulement. Elles renferment d'autres nutriments essentiels à l'organisme. Voyons plus en détail ces fameuses graines, mais aussi comment manger du lupin pour profiter au maximum de ses bienfaits. Voici une définition simple du lupin. Le lupin est une plante qui présente des fleurs ornementales disposées en grappes. Ce sont ces graines que nous consommons. Quelques mots sur les origines du lupin. Il y a très longtemps, le lupin était consommé pour ses bienfaits sur la santé et son côté rassasiant. Ce dernier était également utilisé dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi ? Car les agriculteurs se sont rendus compte que cette graine était intéressante pour la fertilité de la terre. Quelles sont les propriétés du lupin ? Plante annuelle, les graines de lupin sont récoltées durant le mois de juillet. Ces dernières sont riches en protéines et en d'autres nutriments. Glucides, environ 40%. Lipides, environ 10%. Eau, environ 10%. Protéines, le reste. Elles contiennent également des minéraux, sodium, calcium, magnésium, cuivre, fer, des acides aminés et des vitamines A, B et C. Sinon, dans 100 g de graines de lupin, nous retrouvons aussi calories, 371 kcal, indice glycémique, 15. Manger du lupin permet donc de faire le plein en vitamines, protéines et minéraux. Quels sont les bienfaits du lupin? Si autrefois le lupin était consommé sous forme de légumineuse, aujourd'hui, il est utilisé principalement sous forme de farine. Mais quels sont ses atouts santé? Tout d'abord, du fait de sa richesse en protéines, le lupin est un aliment qui participe au renforcement des muscles, des cheveux et des ongles. Le lupin a également un indice glycémique bas, il est donc efficace pour ralentir la production de sucre dans le sang. Il est aussi très digeste et permet de lutter contre l'augmentation du taux de mauvais cholestérol dans le sang. De plus, consommer du lupin de manière régulière permettrait de réduire l'hypertension artérielle. Autre avantage de cet aliment, il est sans gluten. Il peut donc être consommé par les personnes y étant intolérantes. Lupin, riche en protéines. Les graines de lupin représentent aussi un aliment de choix pour les personnes qui suivent un régime végétarien, car elles permettent d'apporter à l'organisme les protéines dont il a besoin. Ces protéines sont également bénéfiques aux sportifs. Manger du lupin est donc bon pour la santé. Est-ce que le lupin fait grossir ? La farine de lupin est pauvre en matière grasse et en acides gras saturés. Son apport calorique est également faible. Nous pouvons donc en conclure qu'elle ne fait pas grossir. De plus, elle est riche en fibres et est donc idéale pour perdre du poids. En effet, les fibres augmentent le sentiment de satiété, réduisant de ce fait l'envie de manger. Et en cosmétique, quels sont les avantages du lupin? Sur la peau et les cheveux, le lupin a quelques bénéfices intéressants. En effet, faire un masque à base de lupin est efficace pour apporter souplesse et brillance aux longueurs. Sur la peau, son pouvoir hydratant permet d'agir tel un après-soleil et de soigner certaines irritations. Qu'est-ce que la farine de lupin? La farine de lupin est de couleur jaune et est utilisée depuis très longtemps dans des préparations sucrées, des sauces. Elle a notamment une importante capacité émulsifiante idéale pour remplacer des œufs dans des mayonnaises, brioches. Côté goût, elle apporte une saveur noisette agréable. Où trouver de la farine de lupin? Elle se trouve en vente online et dans les grandes surfaces ou les petits magasins bio. Manger du lupin, le cuisiner. Graines de lupin sèches. Pour enlever l'amertume des graines de lupin, il convient de les faire tremper 48 à 72 heures. Pour la cuisson, sachez que les graines de lupin sont assez fragiles. Il est donc important de vérifier leur cuisson lorsqu'elles cuisent. Autre point important, il faut qu'elles soient ni trop cuites ni trop fermes. En général, il faut compter 25 à 45 minutes de cuisson. Comment cuisiner du lupin en bocal? Vous pouvez acheter des graines de lupin déjà cuites et ainsi éviter l'étape de la cuisson qui est un peu longue. Elles se cuisineront ensuite de la même manière. Quel bienfait pour le lupin? Vous connaissez sur le bout des grains les lentilles et autres pois chiches? Variez votre alimentation veggie et profitez des apports nutritifs d'une légumineuse qui peut s'utiliser sous de multiples formes, graines entières,
graines concassées, farine, flocons. Le lupin est gourmand. Il est aussi divin en graines à croquer qu'en recettes composées. Sous forme de farine ou flocons, il présente un petit goût de noisette, presque biscuité. Avec 35 à 45% de protéines, il devancerait tous ses concurrents en tant que source de protéines végétales. Il est plébiscité par les sportifs, végétariens et végétaliens. Riche en fibres, il favorise le transit et facilite la digestion. Il est généreusement pourvu en minéraux et vitamines comme le sodium, le cuivre, le magnésium, le fer, le calcium, les vitamines A, B ou C. Sa capacité émulsifiante permet de remplacer les œufs dans de nombreuses recettes. Plante rustique, le lupin est résistant, nécessite peu de traitement. Un champion de l'agriculture bio, donc. Adapté aux climats européens, le lupin priméal est cultivé principalement en France. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.